Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord, les copains d'abord. Cette fluctuante merguiture, c'était pas de la littérature, non, des plaisirs, jeteurs de sort. Jeteurs de sang. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco-dedans, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des deux castors et des pollux, des gens de Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par entraîner la poésie sur le vent riche d'Abéfort, les copains d'avant. Les copains d'avant. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Moreau et compagnie, c'était leur seule litanie, la prédor leur confidait en courant d'avant. Leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leur balançaient SOS, on aurait tiré ses mains pour les copains d'abord. Il n'y avait pas souvent de la fin quand l'un d'entre eux montait à bord, c'est qu'il était mort. Mort, mort.